cours. Aidez-moi. Au secours. Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Je ne devrais même pas te permettre de mendier à ma porte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je me demandais si je pourrais avoir un peu des miettes qui tombent de ta table. Des miettes qui tombent de ma table? Mais alors, que mangeront les chiens? Mes affaires m'attendent. Brûlez-moi ça, c'est infecté. Le voilà, enfin! Mon frère préféré. Que me veux-tu cette fois? Nous avons dépensé sans compter. Je le vois bien. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Thank you.
Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi! L'aumône. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah. Bienvenue au paradis. Paradis? Oui, Lazare. Paradis! Nous avons préparé un banquet en ton honneur. Oui, oui, viens. Avec Lazare. Envoie-le-moi pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse ta langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Pour qu'ils les avertissent et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Non! Je t'en prie! Non! Je t'en prie! Non! 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 Lazare, viens dans le lieu que ton père a préparé pour toi.
Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Il était riche dans cette vie. Je suis sûr qu'il l'est aussi dans l'autre. Je suis Lazare, dont parle la Bible. Vous en apprendrez plus sur moi et cette histoire dans Luc 16, chapitres 19 à 31. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Comment pouvez-vous appliquer cette histoire à votre vie? Laissez-moi vous raconter certaines des choses que j'ai apprises de cette expérience. Ce que Dieu m'a enseigné. J'étais un homme très pauvre. En fait, j'étais tellement pauvre que j'en étais malade et que je n'avais personne pour s'occuper de moi. Même les chiens venaient me lécher. À cause de ma condition, je me sentais insignifiant et sans espoir dans ce monde. Mais ma foi en Dieu n'a pas vacillé. Et à ma grande joie, lorsque j'ai ouvert les yeux au paradis, j'ai appris que je n'étais pas insignifiant pour Dieu. Il connaissait toutes mes pensées. Il savait même combien j'avais voulu rencontrer Abraham. Alors il l'a envoyé, lui Abraham, pour m'accueillir et me souhaiter la bienvenue. Lorsqu'Abraham... Le Père de notre foi m'a salué. Je fus envahi par la joie. Comment un tel homme béni de Dieu pouvait-il s'intéresser à moi? Apparemment abandonné de Dieu et sans utilité. Vous êtes-vous déjà senti ignoré, oublié, insignifiant? Dieu ne vous a pas oublié. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quels que soient vos problèmes, j'ai appris que personne n'était oublié de Dieu. Mon histoire prouve que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le riche était dominé par sa richesse, son influence et le luxe. Il traitait mieux ses animaux de compagnie que moi. Il aimait les biens de ce monde et en a profité pendant toute sa vie. Il y avait des jours où je me demandais si Dieu savait qu'il n'était même pas prêt à m'accorder les miettes qui tombaient de sa table. Je sais maintenant que Dieu regardait,
Le riche n'avait jamais perdu sa fierté et son arrogance, même en enfer. Avez-vous remarqué qu'il a demandé que je le serve parce qu'il avait l'habitude d'être servi? L'enfer est plein de gens qui veulent être servis. Mais parce qu'il avait été servi sur terre, Abraham lui a dit qu'il avait déjà bénéficié des plaisirs et qu'ils étaient terminés. J'ai appris comme il est important pour Dieu que nous servions les autres sur terre, plus spécialement ceux qui sont faibles et qui souffrent. Mon histoire illustre la façon dont Dieu veut que nous utilisions notre argent, nos biens et notre influence. Il est clair qu'une courte période nous est accordée sur terre pour tester la façon dont nous utilisons ce que Dieu nous accorde, pour nous-mêmes ou pour les autres. Ce n'est pas faux d'avoir des biens ou d'être pauvre. Ce qui est faux, c'est de refuser de servir les autres. Jésus-Christ a dit que même lui était venu servir, non pour être servi. Si vous utilisez l'argent et tout ce que Dieu vous a donné pour servir les autres, il sera satisfait, quoi que vous possédiez. Vous pouvez vous interroger sur l'enfer et le paradis, et sur ce qui arrivera après votre mort. Christ viendra au dernier jour pour juger le monde. Le jour du jugement, le méchant sera envoyé en enfer, un lieu de tourment terrible et infini. Mais le juste sera emmené au paradis. Un lieu glorieux et heureux, où il sera pour toujours auprès du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement d'autres choses que Dieu veut nous apprendre. Notre prochaine histoire va poursuivre cette aventure.